Hey, salut tout le monde, c'est ActuEndgame, comment allez-vous? Eh bien écoutez, pour ma part, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo en live où je vais vous montrer mes statistiques. Attendez, je vais essayer de caler le micro comme il faut. Voilà, là, ça devrait aller sur mes genoux. Mes statistiques sur BO2, et ainsi que mes classes, etc., etc. Donc comme vous avez pu remarquer, je suis Prestige Master. Donc voilà, donc j'en ai tué 37 581, 703 victoires. Dans ma vitrine, bon, ça c'est tueur ultra, faut faire une série de 8, enfin faire un petit massacre. Prestige 10, ça se débloque Prestige 10 simplement. Et nucléaire, c'est tranquille, bon, ça vous savez. Alarme. Ensuite, donc, je vais aller. Bon, mes emblèmes, ça sert à rien, je les ai fait à l'arrache, j'en ai un peu rien à faire. Donc voilà, ça c'est à peu près mes stats. Donc voilà, j'ai 2 de ratio environ. J'ai fait bon 35 000. Voilà, j'ai 7 jours et 18 heures de jeu en arrondi. 703 victoires en score par minute 413. Bon, le ratio des victoires défaites, comme je vous l'ai déjà dit, c'est parce que je rage quitte très souvent. Je suis un joueur solo, à chaque fois que je lance une partie, c'est souvent une partie déjà aux 3 quarts entamée, si je puis dire ça comme ça. Et donc en fait, c'est un petit peu chiant pour moi parce qu'à chaque fois, genre, allez, il y a 150 pour Andomi et pour, à 40 pour nous avec les chiens, tout ça, donc c'est un petit peu chiant. Donc je quitte et du coup, ça me fait des défaites, tout simplement. Voilà. Bon, en résumé, combat, ça, je sais pas à quoi ça vous servira. Bon, là, vous voyez, mes dernières parties, c'était à 4,38, 5 de ratio, 3,40, 3,32,35. Donc mes modes de jeu, je suis un joueur essentiellement Domi, mais aussi démo, voilà. Ensuite en point stratégique, ensuite LEC, MME, QG, recherche. Bon voilà, après le reste, je m'en suis pas trop préoccupé, je m'en suis pas, on va dire, j'en ai pas fait beaucoup. Mes médailles, bon, si vous voulez voir, voilà, je fais 3 petites nucléaires, 16 kills après avoir fait une nucléaire, 6 brutales, 7 série de 20, enfin voilà, vous voyez, 2000 sanguinaires, donc ça c'est... Je suis content de moi. Ensuite, bon, voilà, les doubles, les triples, les tueurs fous. Voilà, vous avez vu, vous voyez un petit peu, hein, je vous êtes pas débile, je vous laisse regarder. Si vous voulez éventuellement voir de plus précis, ben, vous faites pause, enfin plus précisément. Donc là, je vous montre mes stats simplement parce que je l'avais dit la dernière fois, mais je pense que je les montrerai après aussi, puisque là, on est qu'à la, on va dire, on est, ça fait, ah ben non, en fait, c'est bientôt l'été. Donc c'est bientôt la fin du jeu, on va dire, c'est bientôt le 4. Donc je vous le montrerai juste à la, avant. Juste, je pense à la sortie du prochain Call of. Donc voilà, niveau arme, bah, la PDW en premier, puisque j'y jouais beaucoup beaucoup au début. Ensuite MSMC, ensuite MP7, AN. Je suis un gros joueur SMG et AR, hein. Je joue pas trop aux autres armes. Bon, maintenant je commence à me mettre un petit peu au sniper, c'est vrai, mais bon, je suis pas non plus un excellent joueur au snipe. Même si j'essaye quand même de vous proposer des vidéos dessus. Donc là, quasiment 3 de ratio à la HMR, je suis plutôt content de moi. Pareil pour la SWAT. Donc je suis pas un gros joueur, ouais, au snipe. Même si je vais essayer bientôt là de vous proposer des gameplay au sniper, parce qu'en fait je fais beaucoup de bonnes parties au balista. Là je viens de claquer un 97 au balista, bon, avec quelques kills, une dizaine de kills au cap 40, mais bon, ça fait 70 17, c'est plutôt pas mal. Mais je sais pas, le gameplay me, enfin je sais pas, j'ai un petit peu de mal. J'essaie vraiment de vous sortir un bon truc, un peu comme mes vidéos à l'arme mais au snipe, donc c'est un petit peu chaud, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà. Donc ça, j'ai fait le tour. Ensuite les séries de points. Donc bah, vous voyez par vous même hein, j'utilise beaucoup la micro, le renébrouillage pour bien aider, vous voyez. Ça, c'est les trucs que j'utilise quasi le plus avec le foudrement. Ça c'est pas, j'utilisais beaucoup au début. Depuis peu je m'en sers un petit peu moins, mais bon, j'essaye actuellement mes séries. Et bon voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vais vous montrer mes séries. C'est plus genre voilà, c'est ça. En ce moment c'est micro, chien, unité, groupe de chasse. C'est vraiment pour remonter mon ratio, parce que j'avais un ratio de 3-10, 3-20 au début. Et ensuite j'ai baissé, j'étais à 1-10. Je me suis dit, bon, je vais quand même remonter parce que c'est pas terrible. Et du coup là je suis à 2, mais bon, pour 37 000 tués, c'est très très long à monter. Là je fais que des plus de 80 kills. Donc d'ailleurs j'ai plein de gameplay, je vous en dis pas plus. Des massacres, donc je vous en dis pas plus. J'ai plus de 80 kills et le ratio monte à peine en fait. Donc ça me saoule un petit peu. Donc au niveau de mes classes, bon ben voilà, ça c'est la première classe, on va dire, que je suis en train de monter, parce que la MTAR je l'aime bien. Bon, ça c'est ma classe normale SMG. Vous voyez, je les ai en diamant toutes les mitraillettes. Voilà, là j'ai tout en diamant. Ensuite j'ai le Remington, ça c'est pour tout ce qui est bourrin, rush. Ensuite j'ai ma petite classe PDW silencieux pour aller dans le spawn en discrétion, faire des grosses séries. Pareil pour la haine. Donc par contre je vais modifier une petite chose, c'est je vais mettre juste un petit système trophy, parce que ça c'est une classe qui me permet d'aller à l'objectif rapidement et de prendre un maximum de flag, si je puis dire ça comme ça. Je mets même gilet pare-balles, comme ça je me fais pas sauter par la moindre explosion. Ça c'est ma classe MSMC, ma petite classe scorpion que j'adore.
J'ai pas mis de chargeur à grande cape parce que je la préfère comme ça, je préfère, je sais pas, c'est plus facile à enchaîner. Là, classe bourrin HAMR. Ensuite, ma petite classe type 25 silencieux que je suis en train de monter et que j'affectionne particulièrement. Donc si vous voulez, regardez-la bien puisque là, j'étais avec un bon pote que je me suis fait, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce honte à moi. C'est lui, voilà, Vega Hardcore. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs, on va faire peut-être des vidéos ensemble à l'avenir. Et il m'a vu sur Nocturne, c'est là où j'ai fait mes plus de 90 kills, enfin des gros scores avec cette arme là. Donc c'est vraiment une très bonne arme, même si c'est vrai qu'elle se vide rapidement, c'est pour ça que j'ai mis un chargeur dans le cap. Avant je l'avais chargeur rapide, mais bon, je préfère comme ça. Voilà, donc en dernier, la petite classe sniper, balista, que je suis en train de monter, mais là il me manque, vous voyez, une petite sanguinaire, putain j'avais pas vu. Bon j'essaie de monter ça aujourd'hui. Et puis voilà, après mon petit cap 40, si je peux pas assurer mon kill, voilà. Bon ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Voilà, en classement, je suis classé 102 millième, 759. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bon ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher... Attends, je vais vous montrer, excusez-moi, avant de quitter, à lâcher un j'aime. J'allais dire, je vais vous montrer rapidement mes titres. Bon, j'ai pas grand-chose, hein, j'en ai un petit peu, mais j'ai quoi. J'en ai 52, voilà. Mais je joue pas trop les titres, je joue pour le fun. Et puis si j'y arrive, bah tant mieux. Et puis sinon, c'est pas grave. Au niveau des armes, j'ai ça. Ensuite, les modes de jeu, je fais pas grand chose. Hein, à nouveau, j'ai ça. Ensuite, en prestige, j'en ai pas mal. Bah, d'ailleurs, je viens de débloquer celui-là qui est assez joli. Ensuite, en DLC, bon, bah j'ai rien acheté. Donc, vous voyez là, il y en a 200. Bon, moi, j'ai rien pris. Du coup, j'ai rien pris simplement. Alors, pack Asie-Pacifique, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. Bon, bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo, les gens. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Ça me fera plaisir. Et puis, partagez-la à vos proches ou ça m'est égal. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. C'était ActuNGame. Peace.